lancer de nouvelles vidéos de couleurs. NASCAR The Game 2013. Un jeu très bien. Bien, très bien. Je suis pas très bon dessus, mais il est bien fait quand même. Pour un jeu, en fait, en France, c'est pas un jeu qui est bien développé, on va dire. Donc c'est pour ça déjà, bien. C'est pas un jeu, c'est pas des courses qui sont bien développées. Le NASCAR est une course typiquement américaine. Et en France, nous n'avons pas. Bien, nous ne sommes pas développés dans ce truc. Donc je vais faire une course avec vous. Une course du type NASCAR, quoi, en gros. Là, hop, ça c'est vraiment. C'est très réaliste, en fait, ça fait comme quand on regarde. Donc je passe ça, je viens de voir. Hop, je passe. Bon, le jeu va être un peu ralenti parce que avec la vidéo ça ralentit un petit peu le jeu. Ça ne peut pas bien cette caméra. Voilà, je préfère celle-là. Bon voilà, nous allons commencer. J'espère que nous allons voir un peu plus de vidéos. Ah, après du coup. Ouais, ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est ne pas toucher dans cette voiture. Parce que sinon, ils vont mettre un drapeau jaune. En gros, ça va arrêter la course. C'est ce qui va se passer si... Voilà, par contre la direction est plutôt sensible. Voilà, donc c'est moi qui passe de vitesse. On va dire ce que j'attends un peu pour l'instant, c'est que bon, ce qui se passe très rarement, c'est que les voitures se dispersent un peu sur le circuit. Après je dis je suis pas un expert dans ce jeu là, bon je suis dernier pour l'instant et je pense que je vais pas dans le sens que j'y reste, mais c'est pas grave. Par contre le seul truc c'est qu'on a que 4 vitesses dans ce jeu. J'ai l'impression qu'aux États-Unis ils doivent avoir très peu de vitesses en fait. Mais un couple en quatrième qui doit être en fait le même que celui du volant moteur en gros. Donc là, comment on va faire. En gros, entre la boîte et. En gros, pour eux, leur quatrième, c'est notre sixième année. Mais en gros, ils ont des vitesses beaucoup plus longues que les nôtres. C'est certainement ça qui doit faire. Là je suis beau au pied, je peux pas passer le cinquième et le sixième. Quelle autre vitesse. Donc c'est dommage. Bon en rallye je dirais pas, mais là ici ben, n'empêche on fait des bonnes vitesses parce qu'on va quand même à 250 km/h. Donc c'est quand même la vitesse de la bonne vitesse, pour pas du le caca. Donc voilà. Donc j'espère que ce jeu vous plaira comme tous ceux que je fais en fait. Mais bon, ce jeu là est plus derrière ceci, c'est vraiment un jeu de simulation en fait. C'est vraiment. Je le trouve quand même plutôt bien fait en fait. Enfin, en fait ce jeu là je l'ai acheté. Et parce qu'il est en promotion sur Steam. Ah ouais, avec 4€, j'allais pas cracher dessus quoi. J'allais pas cracher dessus et franchement, je suis pas trop déçu. C'est comme Game Dev Team, c'est un bon jeu.
dans l'ensemble. Un petit peu quand même. Voilà, après il y a 2-3 petits trucs où j'étais un peu déçu, mais sinon, j'ai bien monté un petit peu, mais c'était un bon jeu. Ouais, j'espère que celui-là vous plaira. En tout cas, moi c'est déjà fait, mais c'est plutôt ouvert à vous, je pensais, parce que voilà. Moi je sais que je l'aime bien, ce jeu-là. Là je sais, je suis un petit peu à la traîne, mais c'est que le premier tour, donc ça devrait le faire. Et pourquoi j'ai tant de retard que ça là? C'est pas normal cette histoire. Je sais pas si je vais vous faire en entier cette course, parce que en gros le truc c'est que voilà, c'est un peu bizarre. Normalement j'aurais voulu la faire un peu avant, sauf que j'ai eu quelques soucis au tournage et puis j'ai pas refait de fou, donc je la fais que maintenant. Ça fait un petit moment, en gros j'ai voulu acheter une semaine après le game de Pico que j'avais déjà tourné il y a un petit moment, donc voilà. Donc là nous avons toutes les données de l'aventure en gros. Et des voitures précédentes, suivantes, tout ça, de nouveau. Donc bon, nous avons notre temps en haut à gauche, juste en dessous du nombre de tours qu'on a fait, avec comment dire, avec donc le temps qu'on est en train de faire et la différence par rapport au comment dire au temps qu'on a fait avant. Donc voilà, au moment il différencie les temps qu'on a fait avant, en plus de ceux qu'on a avant, en gros il nous différencie les débats et comment on comme voilà, il y a quelques bugs de temps en temps, donc si ça fait des petites coupures d'image, ça vient du jeu. Ou bien je pense, dites-moi dans les commentaires si ça vient du jeu, mais mon ordi, mais je pense que ça vient du jeu. Donc voilà, après juste en dessous nous avons notre meilleur temps qui est de 58 secondes. Après encore en dessous nous avons le meilleur temps de tous les joueurs, de tous les coureurs plutôt, pour être un peu plus exact, qui est de 53 secondes. Donc j'ai 4 secondes d'écart avec celui qui a fait le meilleur score. Je pense qu'au bout d'un moment je pourrais le battre, mais au premier tour c'est pas possible. Bien sûr, on peut faire le coup. De toute façon, en fait, c'est que dans ce jeu-là, on peut modifier ses voitures un peu comme dans les parties des trucs comme ça, voilà. On peut modifier les voitures et les faire devenir un petit peu plus puissantes, un petit peu plus ceci, un petit peu plus cela, pour que à la fin ça devienne une bombe et que voilà, en gros ce soit la meilleure voiture qui existe, et que ce soit vraiment une fusée qui décolle quand la route et chou, voilà. Mais le truc c'est que j'ai pas encore assez d'argent pour améliorer la voiture à ce point là et donc voilà, c'est le seul petit truc qui manque. En fait je vais peut-être arriver à faire 53 secondes, mais c'est pas sûr parce que j'ai 5 secondes d'avance sur ce que j'avais fait avant. Donc je devrais pouvoir arriver à faire mieux. Mais il y en a qui est con. Thank you.
j'ai pas réussi à battre. Quoi. Donc nous sommes au troisième tour. Donc je pense que le bon truc que je vous fasse, soit un accéléré, soit un bien chez toi. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc je vais continuer sur mes explications que j'avais confiées tout à l'heure. Sur Malfeur, en bas à gauche, nous avons le circuit qui est représenté par un cercle, parce que la fin c'est ça en fait. C'est bien un cercle, un ovale, ce que vous voulez. C'est ça en fait, c'est le circuit qui est un peu ovale. Après, en haut à droite, nous avons la place évoquée, donc la 43e. Et en haut au milieu, nous avons la distance entre moi et le 42e. Et à côté, où il y a marqué last place, c'est là où est censé se trouver le dernier, mais vu que je suis derrière celui qui est derrière moi, sauf que vu que celui qui est derrière moi il est pas, et ben donc ce qui signifie que ça sert. Voilà, comment dire, après nous avons en bas à droite le compteur de tour et le contour avec donc là nous sommes à 7500 tours minutes. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais non, ça doit être un peu pas comme ça. Et le nombre de tours qui nous reste en carburant sur la gauche du donc voilà, et juste à sa droite nous avons la vitesse à laquelle nous allons, donc 283 km, et juste à côté nous avons l'état du véhicule, donc si les pneus sont usés, des trucs comme ça. Donc voilà, nous pouvons changer ceci. Donc là nous avons la température des pneus à gauche. Là, les températures des pneus de gauche. Si on remplit, on a la température des pneus de droite. Et si on appuie, on a l'usure des freins, je crois. Et là nous avons la température du moteur, qui est juste comme le pot. Là nous avons la température de dehors, qui est à 72 degrés Fahrenheit. Bah, pas confondre avec le Celsius. Hein. Mais bon, le F nous dit qu'on est en Fahrenheit, et pas en Celsius. Et après nous revenons sur le petit icône. Et puis après au centre du contour, nous voyons que on est bien en quatrième, mais on n'est pas trop. Et puis aussi nous avons nous voyons le rétro à droite, à gauche, et le rétro intérieur en haut au milieu. Et aussi nous avons en bas au milieu un espèce de radar en gros qui nous dit quand on se rapproche d'un véhicule ou quoi, et si non voilà, en gros si un véhicule est loin ou près de moi, et si il peut me gêner ou pas. Donc voilà. Là pour l'instant, ce début commence plutôt bien, on va dire. Même si je suis avant-dernier, commence plutôt bien. J'ai pas encore eu un seul crash.
Mais le seul défaut que je repère, que j'ai vu à ce jeu, c'est le fait que, en gros, si on veut qu'il y ait un drapeau jaune, ce qui veut dire un accident, en gros, c'est on est obligé d'être dedans. En gros, s'il n'y a pas de drapeau, le drapeau jaune ne peut être causé que par nous. En gros, soit c'est nous qui allons dans l'herbe, soit c'est quelqu'un d'autre, mais d'autres choses. Des trucs comme ça, quoi. C'est jamais, par exemple, le premier ou le deuxième, le gros cas là, qui est au milieu, c'est pas lui qui va faire un accident, par exemple. C'est moi. C'est le conducteur qui joue. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais les autres pilotes qui sont devant qui font des accidents dans ce style-là. C'est toujours pas de ma faute, mais en gros, quand je suis dans le groupe, si je suis dans le groupe et qu'on me tape, moi je vais partir et pfft, hop, drapeau jaune. Par contre, le meilleur point, le drapeau jaune pour d'autres personnes. J'ai encore jamais vu ça dans ce jeu, que le drapeau jaune soit dressé sans que moi je n'ai rien à voir dedans. En gros, je suis pas à 3 cm de là où il y a eu l'accident ou tout comme ça, non, jamais. Alors que pourtant, quand on regarde les courses de NASCAR, c'est jamais les mêmes personnes qui sont dans les accidents. Même si j'en ai pas vu 150, quoi, j'en ai vu 2 ou 3. Mais il n'y a jamais les mêmes personnes dans les... Il n'y a jamais les mêmes personnes dans le... Comme ça. Dans les accidents, quoi, qui sont responsables des accidents. Voilà. Après, il y a quelques petits défauts graphiques aussi, mais on va dire que ça passe, parce que regardez derrière dans les rétros, on va dire que c'est pas très très net. Hein. Bon, on va dire que ça, c'est acceptable. Parce que le jeu, après, quand on regarde devant, il est plutôt pas mal. Les dégâts sont un petit peu basiques, je veux dire, mais... C'est pas très dérangeant, en gros, on va pas avoir des gros dégâts, et puis surtout qu'en fait c'est tout le monde qui les a, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir des dégâts. Parce que moi c'est... Bon, en gros c'est tout le monde qui a des dégâts, c'est limite. Donc voilà. Donc après voilà, il y a des trucs, c'est vraiment... Là comme vous voyez, je remonte. Ça me dérange pas trop de remonter comme ça, parce que là, comme vous le voyez, il n'y a personne. Mais en fait, le groupe est assez dispersé. Voilà. Donc je peux remonter assez facilement. Plutôt que comme j'ai fait tout à l'heure. En gros, c'est un peu comme l'histoire du livre La Tortue. Si tu pars trop vite, il y a de grandes chances que tu te fasses prendre à la fin. C'est à peu près ça. Donc voilà, tout ce que j'espère, c'est ne pas provoquer d'accident, parce que si je provoque des accidents, je risque de perdre mes places en gros, de 38e. Donc voilà, après c'est vrai que quand on regarde les autres, on commence à... avoir un petit... Ouais, franchement, c'est vrai que ce jeu, je l'aime bien. Je trouve ça très ressemblant, on va dire. Et pour moi qui suis un passionné d'automobile, je trouve que même en fait ça fait comme quand on regarde un NASCAR à la télé, c'est limite exactement la même chose,
Alors que en gros tu joues. En gros c'est un mélange de show télé et de. Et de. De ouais, en gros, c'est un mélange entre un show télé, qui est un truc qui se passe à la télé et que toi t'es dans la course. C'est un mélange que je trouve qui est plutôt pas mal. Donc les concepteurs ont plutôt joué sur une bonne carte, comme on dit. Donc voilà. C'est l'une des bonnes remarques que j'ai, l'un des bons trucs que j'aime dans le jeu, c'est cette histoire de qu'ils ont réussi à mixer en gros de mettre le mix entre un film, une émission et un jeu vidéo. Parce que on a la même intro quand on regarde NASCAR à la télé. Donc vous avez vu la petite bannière avec marqué NASCAR en haut dessus. Ben on a exactement la même chose, ou presque, à deux doigts près. Hein, quand on regarde ça à la télé, que quand on... Voilà. En gros, c'est dans le jeu, entre le jeu et la télé, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, donc c'est ça qui me plaît bien, hein. C'est le fait que en gros il y ait beaucoup de trucs similaires à ce qu'on voit à la télé. Surtout parce que c'est vrai que c'est bien similaire à ce qu'on voit à la télé. Sauf que souvent quand on regarde ce qu'il y a à la télé, ça se disperse pas autant que ça les voitures en fait. Il y a peut-être moins d'accrochage quand tu es en groupe en fait. Parce que là quand tu es en gros en... Quand tu t'es fait accrocher, tu peux pas retourner comme ça sur la route. Hein. Ouais, je peux pas. J'essaie de faire une petite respiration, si je peux. Non, je peux pas. Sinon, comment je vais doubler, parce que là, ça va être un petit peu fort. Voilà, là ça commence. J'espère pouvoir m'en sortir. Non, je devrais. Non, c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir là. Donc j'ai réussi à prendre deux places. Comme ça, sans me faire trop chier. Ça, c'est de nous. Voilà, ils prennent du large derrière. Donc voilà, ça me dérange pas, d'avoir cartonné un petit peu, mais d'habitude, heureusement qu'en fait j'étais en sandwich, parce que j'aurais pas été en sandwich, je pense que j'aurais été out. Donc voilà. Après, j'espère juste que ça continuera comme ça, que je vais remonter les places comme ça. Mais je pense que déjà je vais vous passer un petit bout, quoi. En gros, je vais faire soit une ellipse, soit... vous faire en avance rapide et en avance rapide ça risque d'être un peu moins joli que de faire parce que c'est un peu long ce jeu là, le truc c'est qu'il est un peu long. Après quand on fait du carton ça fait un petit peu moins long parce qu'en gros on peut passer 3 tours sans personne ça rend compte quoi. Le truc c'est qu'il m'a bien en fait qu'il y en ait un quoi, pour vous montrer comment, hein. Mais là pour l'instant j'ai pas envie de faire de carton. Donc voilà. Donc là je passe en quatrième, truc de photo. En fait le truc c'est que je suis jamais arrivé aussi loin quand j'ai l'impression qu'en fait que quand je commente, on va dire.
J'arrive à avoir un truc qui est plutôt pas mal. Push more portal. Are outside at your door. Je pense que j'ai un minute de place là. Là je pense qu'il va y avoir un arrêt là. Voilà. Nous avons droit à un drapeau jaune qui va nous faire passer 3 tours. Je devrais pas perdre grand chose et je sais pas pourquoi il attend un peu. Voilà, je crois que c'est fini. Voilà, en gros ça ressemble un peu à ça. Quand on regarde un truc sur là, il nous remontre ce qui s'est passé. Voilà, donc, comme vous voyez, encore une fois, c'est moi qui suis dans le coup. Je suis toujours dans le coup quand il s'agit de faire des trucs comme ça. C'est énorme, mais c'est vrai. À chaque fois qu'il y a une cochonnerie comme ça, je suis dans le coup. En gros. En gros, c'est moi qui ai provoqué ceci. 34. Donc voilà. On me demande ce que je veux faire. Je suis où moi? Moi, normalement, c'est mon nom, c'est player. Je suis 24e. Donc en gros, je gagne 10 places. Ça m'arrange un petit peu. Mais bon. Hein. En fait, là, on peut jouer avec un petit volant, c'est super bien. C'est super bien de jouer avec un petit volant là-dessus. On joue avec un petit volant, c'est... Il y a un volant qui vaut pas très cher, mais... En gros, il est assez bien. Donc voilà, en gros, là je pense qu'ils vont encore avoir un autre carton dans très peu de temps. Parce que là on est tous ensemble et puis moi en plus je suis encore une deux. Voilà, regarde les tas de pneus, il y en a qui sont un petit peu chauds. Voilà, je préfère perdre 2-3 places que... histoire que je me mette bien comme il faut. Arrête de bugger, c'est le bruit. En gros, il y a le passager qui se déplace un peu. Là, le conducteur, le passager. Le conducteur se déplace. Oh, il y a un bug aussi au niveau de voiture. Hein. Non. Il me semblait que l'essieu arrière était un peu déplacé de gauche. Je m'en fous de perdre quelques places tant que ça fait un peu d'espace en fait. Mais bon, j'ai pas envie de prendre les derniers mots tout le temps. Ah là, ils vont en avoir un autre. Non! Putain, je vous dis, je suis toujours dedans. Toujours. Toujours. Quand il y a un carton, je suis toujours dedans. Regardez, même les dégâts sont plutôt bien faits.
Non, il me fait là. Là en gros j'accélère plus mais j'ai toujours... Il est un petit peu long là. Non, c'est pas ça. Là c'est bon. On va voir un peu ce que ça donne, mais je crois que... Oh, ah ouais, j'ai... J'ai pris un truc dans le défi. Ah, je suis parti un peu. Hop, 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 un autre. Oh putain, j'ai arrêté tout le monde sur mon passage. Pourquoi est-ce que... Oh là 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 là, ce carton. Donc, on va voir non, mais comment je me suis... Putain, non! Donc je suis 32e. Ça me casse un peu les pieds parce que j'étais 24e. Et puis j'ai tout perdu. Juste à cause d'un carton. Mais bon, ça me fait passer 3 tours. Donc, on va dire que c'est pas trop bon. Donc voilà, je pense que au 15e tour à peu près, je vais m'arrêter. En gros, ce que je vais faire, je vais m'arrêter au 15e tour. Parce que ça commence à faire un petit peu long pour vous en fait, pas pour moi, parce que j'aime bien ça. Mais pour vous, ça risque d'être un petit peu long, donc je vais couper en fait à la 24e au 15e tour. C'est vrai que c'est un peu chiant, on va débattre. Après on peut changer de vue. On peut mettre une vue plus près. On peut mettre une vue capot. D'ailleurs mon capot je ne comprends pas. Il n'est même pas dégommé pour un peu. Par contre mon cul oui, il est dégommé. Voilà, en gros je fais un autre carton, c'est normal. Donc voilà, nous avons un autre carton qui a été encore provoqué par moi, comme par hasard. Hein, en gros, c'est toujours le même qui provoque les cartons. Je ne comprends pas comment ça se fait. C'est fait. Comment tu fais pour récupérer ce truc, c'est pas possible. Oh, je suis parti là. Voilà, 36e. Je reviens dans les derniers, ça me vénère cette histoire là. Putain, on vient au point de départ en gros, ça m'énerve. Donc, j'aime pas cette vue là. Là, on a la vue toi.
Là, on a la vue conducteur. Là, on a la vue pré-conducteur. Donc je vais m'arrêter dans deux tours à peu près. Là mes pneus sont chauds, là sont un petit peu chauds. Après j'espère que ce jeu plus tard, ça m'étonnerait que je fasse des let's play dessus. Je te demande de rétrograder, connard. Putain, mais il y en a qui m'a foncé le pont. L'un des désavantages que je donne, l'un des trucs qui va pas bien dans le jeu, c'est le fait que en gros par exemple on peut pas avoir de carton mortel ou qui élimine la voiture parce que des trois guillemets parce que par exemple il y a une roue qui est complètement un truc comme ça quoi, qu'elle fait plus faire la course. Alors regardez tous les cartons que je me suis pris. Ils sont pas plus des cartons, plutôt des accrochages. Et ma voiture est nickel. Quand je dis nickel, ça veut dire elle roule encore, elle a pas de soucis. Voilà, elle a pas de soucis en fait apparent. Non en fait je vais pas m'arrêter là-dessus, je vais peut-être je sais pas, je vais m'arrêter au 15e, mais c'est vrai que ça fait un petit peu long. Je sais pas, mais je vais me demander. Mais de toute façon, bientôt je risque peut-être de diminuer un peu les vidéos, parce que bientôt je pourrai travailler, je pourrai faire pas mal de choses. Donc, dans quelques semaines, je pense que je diminue un peu les vidéos que je mets sur YouTube. Donc, voilà. Parce que je vais pas arrêter, mais je vais certainement, très certainement, diminuer le nombre de vidéos que je vais mettre sur YouTube. Mais pas arrêter, diminuer. C'est bon. Voilà. Parce que c'est vrai que le fait de faire des vidéos, ça me plaît. Des vidéos sur YouTube, ça m'apprend des trucs,
parce que je cherche un peu plus, par exemple sur YouTube, comment faire mieux certaines choses. Et puis ça, voilà, ça me permet surtout de chercher des petits trucs que je ne chercherai pas autrement. Donc voilà, au prochain tour, je vais m'arrêter, je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur ce. Sur le 15e tour. En gros, là, ce que je vous montre, le NASCAR en France, c'est où ça existe, mais c'est pas réputé du tout, et c'est pas tout à fait le même style de NASCAR. En France, c'est plutôt un NASCAR, on va dire, il y a pas, c'est peut-être des tours marrons, mais pas aussi rond que ça. Il y a pas de, et je pense, hein, j'ai jamais vu un NASCAR français, et que des NASCAR américains. Mais il me semble qu'en France, c'est beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Donc, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Ou bien vous aura plu, parce que vous le faites. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous regardez les prochaines, même si bon, je pense qu'au bout d'un moment elles vont diminuer, ou j'en ferai plus le week-end peut-être, je ferai peut-être des lives, des trucs comme ça, le week-end, et en gros la semaine je diminuerai le nombre de, en gros peut-être que je remplacerai ce qu'il y a la semaine et je montrerai le week-end. En gros, en deux jours du week-end, je me fais en gros, par exemple, je mettrai la chronique du routier, non, les deux du routier, excusez-moi, la semaine avec les deux du peut-être la future deux du famille, mais pas encore, avec une vidéo de Fermil Simulator sur PC, parce que je n'ai pas les consoles adéquates pour y jouer sur d'autres consoles, ou peut-être sur 3DS, mais je n'ai aucune parce que même la 3DS je ne l'ai pas, je n'ai pas beaucoup de consoles sur lesquelles jouer, mais bon, la seule console que j'ai c'est mon PC, et c'est vraiment le seul truc qui me sert au niveau des consoles. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Laissez sur le bord du circuit, même si je déconne un petit peu parce que c'est pas, mais je vais vous laisser ici. C'était MM Simulator. J'espère que cette vidéo vous plaira et que les prochaines aussi. Et je vous dis au plaisir pour de prochaines vidéos découvertes et de prochaines vidéos de courant, je sois découvert ou pas découvert, ou je sais pas, les prochaines vidéos certainement sur Formula Truck, Car Mécanique Simulation, Farming, Euro Truck, etc, etc, etc. En gros, tous ces jeux là, une grande chance que je les fasse
en let's play, ben, Euro Truck et Fernie, c'est sûr, mais et Extreme Trucker aussi, que je vais peut-être arrêter, je ne sais pas, à vous de me dire. Si vous voulez que j'arrête Extreme Trucker, dites-le moi dans les commentaires. Si à la place vous voulez par exemple du Formula Truck ou du Car Mechanic Simulator, en gros, qui soit là toutes les semaines, ok. Ou même, mais ça je ne l'ai pas encore fait, on verra tout ça, par rapport à l'une de mes vidéos que je vais faire en version vintage. En gros, ça va être du vintage game ou du comment on appelle ça, rétro game. Là aussi ça s'appelle comme ça, du rétro game, du rétro gaming. En gros c'est le vieux jeu quoi, pour ceux qui comprennent la. Donc c'était MM Simulator, là on va finir parce que sinon je vais arrêter 3 heures. Donc c'était MM Simulator, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les prochaines vous plairont aussi. Donc à plus tard, ciao.